Vous avez bien sûr tous reconnu la célèbre toccata de Jean-Sébastien Bach, jouée à l'orgue, ici au violon baryton. Mais avez-vous déjà entendu ceci ? Ce que vous voyez et entendez là est un prototype unique. Il n'existe en fait qu'un seul instrument au monde, le voici. C'est son histoire que je vais vous raconter, histoire qui est aussi un peu devenue la mienne. Le violon baryton, baryton parce qu'il correspond exactement à la voix de baryton de l'opéra, est un instrument qui est né à la Renaissance, issu de la viola da gamba, qui, comme son nom l'indique, se joue entre les jambes. Nous voulions, à l'époque, puisque la fonction instrumentale de la musique de la Renaissance était d'imiter le son de la voix humaine, nous avons un instrument qu'on rapetisse par rapport à la viola da gamba, et naît donc l'instrument le plus aigu de la Renaissance, qui, paradoxalement, aujourd'hui, est l'instrument le plus grave. Je vais vous jouer un air de la Renaissance, un air populaire venu de Transylvanie. On l'appelle le parlando car c'est un chant de berger des collines de Transylvanie entre le chant et la parole et la magie des sons. Je vous ai dit que c'était aussi un peu mon histoire. Effectivement, à l'âge de 9 ans, un soir en colonie, le moniteur, plutôt qu'au coin du feu et à la fin de la veillée, nous racontait une histoire, épaula son violon et me subjugua en déclenchant le rêve de ma vie, celui d'être violoniste. Cesse de courir dans la première école de musique venue, de trouver
un professeur qui m'apprendrait à jouer du violon, de trouver un violon et, en attendant la longue liste d'attente pour avoir une place, aller au cours de solfège et le soir au concert de l'école où je fis la connaissance du professeur d'instrument avant qui se prit d'affection pour moi et m'initia à la musique, au son grave de son saxophone. Ainsi, une longue carrière d'une vingtaine d'années de violoniste, suivie aussitôt, toujours attirée par les sons graves de l'alto, d'une carrière d'une quinzaine d'années à l'alto, jusqu'à ce jour où brusquement je perdis mon alto. Plutôt que de chercher un nouvel instrument, je me souviens de cette histoire tout à fait similaire qui était arrivée à Paganini. Effectivement, un soir de cet automne de 1832, à Londres, le cocher avait jeté du haut du carrosse le violon de Paganini qui malheureusement était arrivé à quelques centimètres de lui et s'était brisé sur le pavé. Je fus interpellé par cette histoire, mais Paganini, loin de ce contretemps qui retardait ses concerts, il se souvint avoir acheté un très grand alto de Stradivarius dont il rêvait de jouer, qu'il joua, pour lequel il écrivit et composa des pièces bien sûr, mais surtout un concerto. Il s'agissait de la Médicéa d'alto, cet instrument que Stradivarius affectionnait particulièrement et qui avait été, d'où son nom, commandé par la famille prestigieuse florentine, les Médicis, dans la forme d'un quatuor, dans sa forme originelle, c'est-à-dire non pas, vous connaissez tous le quatuor à cordes, bien sûr, deux violons, un altiste, un violoncelle, non pas dans cette forme-là, en 1690, mais dans la forme du violon, de l'alto, du violon baryton et du violoncelle. Serait-ce à dire que le quatuor est dans l'erreur depuis Joseph Haydn, depuis deux siècles passés ? Certes. Nous avons donc Paganini qui a cet instrument et la raison pour laquelle le quatuor est toujours dans l'erreur et la raison pour laquelle Paganini n'a toujours pas joué dans la tonalité originelle de l'instrument, c'est que les boyaux, les cordes en boyaux originels de l'époque ne permettaient pas de résister à la pression. Paganini écrivit donc son concerto et à ce stade-ci, il est intéressant puisqu'il l'a transposé d'une quinte et l'a joué à l'alto, sans se formaliser des noms de viola ténor, de viola petit, de grand, de baryton, de ceci, de là. Paganini et basta l'a appelé grande viola. Self-made man avant l'heure, très habile, il avait retourné vite sa casaque de cette manière-là. Je vais vous donner le son de ce qu'est le violon à partir d'un sujet donné, que vous connaissez tous, la canzonetta de Tchaïkovski, c'est le plus simple, sur le son que le violon peut donner, ensuite l'alto et pour finir, mon baryton. Même chose à l'alto. Et enfin, le baryton. Que c'est cet exemple-là que vous avez préféré. Sinon, tant pis pour moi. Il y a aussi une autre possibilité de sonorité, c'est le violoncelle. Écoutez. Les sonorités de mon rêve d'enfant qui se rapprochent de l'idéal du violon qu'avait déjà décelé ce qui était la base, en toute humilité, de mes recherches, le grandissime Paganini,
le célébrissime Stradivarius, et qui n'avait pas permis d'arriver avant aujourd'hui TEDx 2011 à être joué, car la forme, la grandeur de 75 cm pour ce violon, qui est 2,5 fois plus grand que le petit violon qui part toujours à la course de la vitesse du son, n'est-ce pas Jean-Louis? À ce stade-ci, effectivement, un pan coupé à droite pour laisser passer la main gauche, un pan coupé à gauche pour laisser passer le menton, nous avons une forme qui, dans notre époque nettement moins conformiste, permet, dans les salles de concert classiques, d'enfin en jouer. Et surtout de retrouver sa sonorité originelle. Un autre souci, le chevalet. Il me fallait absolument trouver un chevalet qui rentre en parfaite harmonie avec les sonorités de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Et un archet qui, de prime abord, me fut venu de Chine, n'ayant pas trouvé porte ouverte ici en Europe. Et là, cet archet était une catastrophe, une véritable canne à pêche dont je ne pouvais utiliser à mes concerts. Et pour finir, la corde. La corde sans laquelle un violon n'est pas un instrument de musique. La corde qui ne pouvait pas être évidemment en boyau, puisqu'on se retrouve dans la même configuration négative de l'histoire de cet instrument. J'ai trouvé pour finir, lors de mes voyages dans le monde entier avec mon épouse Névin, un ingénieur qui me trouva la formule magique et me fit le restant du jeu de corde. La suite au prochain concert. Nous avons donc un violon baryton, le premier violon à braccio de la Renaissance, qui aujourd'hui est le chaînon manquant, puisqu'il se situe exactement entre l'alto et le violoncelle. Il a la gravité de l'alto, la chaleur de l'alto, la virtuosité du violon, la puissance du violoncelle. Pour un prototype unique, je vous trouvais très intéressant de vous jouer le final du concerto que Paganini a écrit spécialement pour cet instrument. Prototype unique, dit circuit de Formule 1, tout à fait à la hauteur de ce prestigieux violoniste qui était Paganini. Nous avons donc des partitions autres aussi, étalées au-delà des 6 siècles d'une musique parfois oubliée que j'ai retranscrite par l'informatique musicale assistée par ordinateur. De nombreux compositeurs venus lors de mes concerts ont déjà écrit une 20aine de compositions et de créations mondiales que je m'apprête à vous jouer prochainement. Je vous remercie de votre attention et vous prie d'écouter le son de ce rêve d'enfant qui est enfin abouti.